Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. C'est bien défendu et le ballon qui est sorti. Il faut donner. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ah ouais, c'est une bonne passe ça. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Et la défense qui concède un corner. Le corner, le ballon en pleine surface. Un mauvais dégagement, mal fait. Caicedo. Ouais, c'est dévié le ballon qui sort. Ouais, bien, les enchaînements de passes déjournantés. Ça joue bien. Oula, il fallait intervenir urgemment. Ismail Assar. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il gagne du terrain. L'opération est peut-être une action dangereuse. Ah oui, la bonne passe. Ouais, le bel arrêt magnifique à bout portant. Super réflexe. En deux temps ce corner. Osvaldo Alonso. Adversaire qui hérite de ce ballon. Il faut donner. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Mais non, dommage, ça va s'arrêter là. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Il faut donner. Ah non, la mauvaise passe. Ils conservent, ils font circuler, mais ils attendent la faille, bien sûr. Hors jeu indique l'arbitre. À mon avis, de très peu. Hein. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Attention le danger. Oh, le ballon sauvé là au tout dernier moment. Attention, ça peut être dangereux. Ismail Assar. Il faut donner. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Et le but, le premier but du match, le voici. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Et il l'a éliminé, attention. Ah oui, le tir. Oh oui, but. Encore un. Et voilà, ça fait maintenant du but d'écart. Hein. 2-0 au tableau d'affichage.
L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Avantage au Stade Rennais hein, dans ce match et qui reprend à l'instant. Oh, c'est l'interception. Attention, il a du champ devant lui. Caicedo. Ah non, le ballon est perdu. Saliba. Ismaïla Assar. Oh, il attrape le montant. Ouais, signalé hors jeu. Ah, ça doit se jouer à pas grand chose. Victor Diaz. Caicedo. Il a contrôlé hein, ce ballon. C'est dans le paquet. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Un corner qui a pour effet de réveiller les supporters. C'est vrai que c'est peut-être l'occasion de combler une partie du retard. Phil Foden. Chercher une solution là. Osvaldo Alonso. Pas assez précise cette passe, dommage pour eux. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. On s'approche de la zone de vérité. Allez, faut centrer vite. Il y a le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Victor Diaz. Osvaldo Alonso. Piatek. Allez, on doit peut-être relever la tête. Ça joue pas mal. Le centre en retrait. Attention, il peut relancer le match là. Ouais, bonne intervention, assez autoritaire. Et il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. Un corner qui sera dégagé. Oh, bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Allez, le but de l'espoir peut-être. Et c'est dévié. Dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Cherche des solutions là. Il faut trouver une ouverture. Ismaïla Assar. Ah, mauvais dégagement là, attention. Caicedo. Victor Diaz. Osvaldo Alonso. Christian Atsu. Victor Diaz. Ouais, bien muselé par le défenseur.
L'équipe s'est montrée supérieure à son adversaire aujourd'hui, clairement. Ces deux buts d'écart me paraissent absolument justifiés. Ah, il attendait son... Doute la passe plus tôt. Il décroche pour essayer de créer un petit peu de mouvement. Adama. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Chercher une ouverture, bien sûr. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Un superbe geste défensif. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Hors jeu. Ah dommage, il partait au but. Osvaldo Alonso. Adama. Excellente intervention. Saliba. Badiachil. Allez, il est plus tout seul. Badiachil, le transversal pour trouver un coéquipier. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Et une minute de temps additionnel. L'arbitre qui siffle la fin de cette partie, qui se termine donc par une victoire à l'extérieur. Prestation solide aujourd'hui pour cette équipe qui a su faire le break au bon moment, qui s'impose donc par 2 buts d'écart. Il a été plutôt bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe, indéniablement. Il a fait un match assez satisfaisant, je trouve. Il y a ce but marqué, bien sûr. Il y a tout ce qu'il a produit, qui ont contribué à cette victoire.